Eh bien, merci Lisa, merci Mélanie pour ce soir. Je suis heureux de, voilà, de vous accueillir tous, vous qui êtes connectés sur Facebook, pour donc ce satsang, ce web satsang avec Lisa Schumacher. Et je laisse tout de suite la parole à Mélanie qui va traduire et donc à Lisa Schumacher ce soir. Merci à tous. So you can start. He's going to cut his Hi. camera. Okay. Philip, thank you. And my teacher is Gangaji. Donc, comme vous savez tous, mon nom est Lisa et mon enseignant est Gangaji. And I met her over 20 years ago in a time when I was deeply disillusioned. Et je l'ai rencontré il y a plus de 20 ans, à un moment où j'étais extrêmement désillusionnée. And I, at the time, really just wanted to know if I could love. Et à cette époque, je ne voulais savoir que vraiment si je pouvais aimer. I didn't know if it was possible because it, what I had tried before up to that point didn't work. Je ne savais pas si c'était possible parce que tout ce que j'avais essayé jusqu'à ce point-là ne marchait pas. I didn't know I needed that there was no effort needed. No effort needed. Nothing needed to change. I was welcome just as I was, just as I am. Et pour moi, c'est vraiment ce dont j'avais besoin d'entendre, qu'il n'y avait rien dont j'avais besoin, qu'il n'y avait pas d'effort et que j'étais accueillie telle que j'étais. And that invitation is still here today, and it's for all, all of us. All of us are invited to be our natural self, and that nothing is needed to discover the truth of who you are. Et cette invitation est disponible pour nous tous aujourd'hui, que rien, on n'a besoin de rien, et qu'on est invité tant qu'on est en tant que son soi naturel, qui l'on est, suffit. And the search can be over now. It can be over. There's nothing else needed. Who you are is perfect. Et la recherche peut être terminée tout de suite, maintenant. Il n'y a rien d'autre dont on a besoin. Ce que tu es est parfait, maintenant. And so, really, I just watched as my old habits unwound for the next 8 or so years. Just unwinding, unwinding, unwinding at the feet of my master, Gangaji. Et en fait, je ne faisais que regarder comment mes vieilles habitudes se sont déroulées comme rembobinées ou, tant que je me suis assis au pied de mon maître. So, I'm here this evening really to invite you to ask yourself in earnest. Vous demandez à vous-même qui est-ce que vous êtes. It's possible that the answer is a mystery. It seems to be a mystery, but there is a deep knowing possible in this life, today, now. Il est possible que la réponse à cette question, qui suis-je, est un mystère, un profond mystère, mais il est possible d'avoir un profond connaissance dans cette vie maintenant de qui l'on est. So, for this call, I would love to hear from you. Your participation
your questions, your reports are very important for all who are listening, all who are participating. Donc, dans cette conversation ce soir, je voudrais entendre de vous, je voudrais avoir vos questions, vos informations, ce que vous voudriez partager, parce que ce partage est très important pour tous ceux qui écoutent en ce moment. I'm not sure if there's anything else, Philip, that you'd like to hear from me. Je ne sais pas, Philippe, s'il y a autre chose que tu voudrais entendre de la part de Lisa avant de... Je suis désolé pour les problèmes techniques. J'ai une connexion Internet vraiment très, très mauvaise actuellement. I'm really sorry for these Internet problems. I have a bad Internet connection, despite the fact that the modem says it's fine. Philippe, Lisa voudrait savoir si toi, tu as des questions pour elle, des questions personnelles, des questions... Yeah. Sur la voix. Yeah. En fait, ce qui serait intéressant de savoir de la part de Lisa maintenant, c'est qu'est-ce qui l'anime à partager et qu'est-ce qui fait que les personnes qui vont venir au satsang mi-septembre vont pouvoir recevoir de ce satsang. Qu'est-ce qui anime en fait cette énergie? Okay. So what he would like to know is what really animates you deeply and what animates you to come all the way to Paris for this satsang in September. That's his question. Well, I love satsang. I love meeting people. I love how satsang can spread in these meetings. Do you need to have a drink? I'm sorry okay. about this coffee. That's okay. Yeah. Elle dit que ce qui l'anime, c'est qu'elle aime énormément satsang. Elle aime rencontrer des gens. Elle aime comment satsang peut se répandre dans ces rencontres. Maybe you'd like to define satsang for some people. Sure. There's an opportunity right now actually, it's a deep need. Et je sais ça par l'expérience de ma propre vie. Et j'aime énormément vous rencontrer et parler avec vous de qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous anime. So, that's why I want to come. I will come anywhere that I'm asked, within reason, to come to satsang. And my hope is to meet as many people as possible so that satsang can spread around the world. This is what it's about. It's about satsang spreading in the world. En fait, c'est pour cela que je viendrai et c'est pour ça que je vais partout où je suis invitée dans les limites du raisonnable pour que le satsang puisse se répandre à travers le monde entier. Et en fait, c'est de cela qu'il s'agit, que satsang se répand dans le monde entier. So that what is eternal is still honored despite all the noise of the world, all the noise in our minds, all the chaos and the mistakes and the despair. Despite all of that, that this light of satsang, this light of your own self can shine. I hope that wasn't too much. It wasn't too much. Okay. C'est-à-dire malgré le bruit, malgré la discorde, malgré tout le chaos dans le monde actuel, la lumière de satsang peut se répandre et peut illuminer chacun de nous d'une manière vraie. Et c'est pour cela que je suis là. Yes. Merci beaucoup, Lisa. Thank you. J'ai changé de modem, donc j'espère que cela va améliorer un petit peu le système. So that noise was him changing his modem. Yes. Hopes it will work better. Through the chaos. Comme elle dit, c'est à travers le chaos que...
Alors, j'ai cru voir déjà quelques questions pour Lisa de la part des personnes He already has a few questions for you. Great. qui nous suivent. Donc, ma question est la suivante de la part de Florence. Je suis quelqu'un de cœur et en même temps, j'ai construit dans le passé une grosse protection autour de mon cœur en cherchant à me protéger de certaines souffrances. Aujourd'hui, je sens qu'il est grand temps pour moi de réouvrir totalement mon cœur à la vie. Je te laisse traduire déjà peut-être ça, Mélanie. Okay, my name is Florence, and I am a person with a deep heart, but because of that, I've protected myself, and I feel that I've built up a barrier around my heart, and I feel that now it's really time for me to open my heart. I think there's more to this question. Donc, Okay, Philippe. mon cœur à la vie, à l'amour, de pouvoir retrouver la confiance totale dans la vie, dans les autres, et de pouvoir m'abandonner en toute confiance. It's time for me to open my heart to life, to love, and to be able to abandon myself with great confidence to that life. So, what do you have to help me? Trust, love. Et confiance dans l'amour. Trust it with your whole life. Et une confiance profonde avec toute votre vie. Let it break your heart all the way open. So there's nothing left except just this broken open heart. Laisse l'amour casser votre cœur complètement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que cet cœur cassé ouvert. Discover how love has always been in your life. Always, as you said, you have a big, deep heart. Let love lead you. Découvre comment l'amour a toujours été dans votre vie. Parce que, comme vous avez dit, vous avez un grand cœur ouvert. Donc, laisse l'amour te guider. There is support for this. Just deep support for this. If you are looking for the support, you will find it. Il y a un profond soutien pour l'amour du cœur ouvert. Et si vous cherchez ce soutien, vous allez le trouver. Does this answer your question? Est-ce que ça répond à votre question, Alors, il y a toujours un Florence? temps entre les deux, hein, comme c'est There's une always a réponse par slight écrit. time of It's fine, response. yes. Oui, comme nous avons eu beaucoup de coupures, je ne sais pas si Florence est encore là. He doesn't know if Florence is still there. Okay. Oh, we can go to another question if that's okay with you, and if Florence gets back, that's fine Donc, too. voilà, donc on peut aller vers une autre question et si Florence revient, elle peut répondre plus tard. If that's okay with you, Philippe. C'est tout. Qu'est-ce qui serait pour vous, Lisa, important de voir lors des satsangs, justement, de manière concrète et pratique sur tout ce qui est les réactions égotiques, mécaniques de la part de Béatrice? So Beatrice is asking, what can satsang bring to mechanical, egoic reactions that just are mechanical and they just pop up? Just where you put your attention. If your attention is on what is ever present and is unmoved by egoic contraction and expansion, then there's a possibility of actually seeing the mechanism. And when it arises, you can be still. You can have a choice to be still. Sometimes that works, sometimes we move. Donc, ce qui importe, c'est l'attention. En fait, c'est cette présence de pouvoir voir à partir de ce calme intérieur, de voir la réaction pendant qu'elle surgit. Alors, parfois, on peut simplement regarder et parfois, on réagit et on voit cela aussi à partir de cette tranquillité intérieure.
first discover the truth of who you are and then see what remains. Donc d'abord découvrir la vérité de qui vous êtes et puis ensuite voir qu'est-ce qui reste. Yes. Merci Elisa. Thank you. Je regarde si je trouve les autres questions. Est-ce que Lisa, de la part de Patrick, pourrait nous parler de la souffrance, de l'importance de la souffrance dans la recherche spirituelle? So Patrick is asking you to please talk about the importance of suffering in spiritual search. The importance of suffering in spiritual search. In the spiritual search. Yeah. Well, I have to say that I was suffering tremendously when I met my teacher. I was completely disillusioned. Maybe I should say I wasn't completely disillusioned, but I was very disillusioned. Donc d'abord, je dois dire que j'étais dans une extrême souffrance quand j'ai rencontré mon enseignant Gangaji. J'étais extrêmement désillusionnée. And it's the ego that gets disillusioned. It's the ego that is suffering. It's the ego that has something to lose and says, I want something different. And so therefore, you look for a teacher. You look for a solution. Donc en fait, c'est l'ego qui souffre, c'est l'ego qui cherche, c'est l'ego qui dit je veux quelque chose d'autre, je veux que les choses soient autres. Et à cause de cette souffrance, on commence à chercher pour quelqu'un qui puisse nous enseigner. So it's really the ego that actually gets us to the feet of our master, for most of us. That is what gets us in the door into satsang, because we want something to change. We're not happy. We want more. We want to be better. We want to be a better person. That's ego, and that's the suffering that brings us to the feet of our master. Donc en fait, c'est l'ego qui nous fait ouvrir la porte. C'est l'ego qui nous fait rentrer par la porte, parce que nous voulons quelque chose de meilleur. Nous voulons être heureux. Nous voulons que les choses changent. Donc en fait, l'ego est important pour nous amener jusqu'au pied de notre maître. So really, there's nothing wrong with the ego. It's just the ego needs to be, at some point, can possibly be the servant, not the master. Donc en fait, il n'y a aucun problème avec l'ego. L'ego est nécessaire, mais à un moment, peut-être que l'ego peut devenir le serviteur et plus le maître. Is that answer your question. C'est clair. Voilà, je ne sais pas si on a la réponse tout de suite de Patrick. Je vais voir pour une autre question. He's in waiting for his response. If there is one, he'll ask another question. Il y a Isabelle qui pose la question de savoir quel est l'objectif d'une vie humaine, qu'est-ce que le sens de la vie pour Lisa? So Isabel is asking, what is the goal of a human life and what is the meaning of life for you? So as a human, as an animal, the goal is to live, simply to live. This is the goal of every animal life on this planet. And life is just living itself, and it loves to live and wants to survive. And that is the goal of a human life, truly. So, and the second part of the question? Let me finish with that part. So, pour l'être humain, en tant qu'animal, le but ultime, ce n'est que vivre. La vie veut vivre et la vie nous vit. La vie vit à travers nous et donc pour l'être humain en tant qu'animal, le but c'est vraiment vivre. And the second part of the question is, for you, what is the meaning of life? And so then, are we only an animal? Is that it? We only live
We're only born, we live and we die. What is animating life? That's the question. And to find the answer to that question from my teacher's teacher's teacher, Ramana, to earnestly ask as I began this satsang, who am I? This is the possibility of a life that is lived in devotion to the animating force of life, not just as an animal in survival. Donc la question demeure, sommes-nous plus qu'un animal? Parce que si l'être humain est plus qu'un animal, là, il faut trouver qu'est-ce qui anime cette vie, qu'est-ce qui anime toute vie, les vies animales et jusqu'à sa vie à soi. Et donc l'invitation de l'enseignant, de son enseignant, c'est-à-dire Ramana Maharshi, c'est qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui anime cette vie? Et c'est cela, trouver cela, qui suis-je vraiment, qui est pour Lisa vraiment le but d'une vie humaine, savoir qui l'on est vraiment et qu'est-ce qui anime toute vie. So I hope that's, do you think there, if there needs to be more answer to that, please let me know. Isabelle, I think it was. Oui, Isabelle, si vous avez envie de plus d'éclaircissement là-dessus, merci de continuer à demander, mais en fait, c'est ce qu'elle dit, c'est se connaître vraiment en tant que ce qui anime toute vie. C'est ça le but ultime de cette vie animale en tant qu'être humain doué de conscience. Alors, est-ce que je peux me permettre de poser une question complémentaire à Lisa? So Philippe would like to ask a complimentary question to that himself. Sure. Qu'est-ce que se connaître, puisque justement la majeure partie des lignées spirituelles, c'est de voir que nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas cet esprit, nous ne sommes pas ce que l'on croit être. Alors qu'est-ce que se connaître pour Lisa? So for you, what actually is to know oneself? Because in most lineage teachings, they're going to say you're not your body, you're not your mind. So then how can one know oneself? What does it mean ultimately to know oneself? It's not to exclude the body and the mind, because here it is. There is an animal here. And the mind is what actually ask that question. If there's no mind, there's no question. There's no consideration. Donc d'abord, c'est important de dire que ce n'est pas d'exclure le corps et le mental, parce que sans le mental, il n'y a pas de question. Donc le corps et le mental sont avec cela. So the discovery of yourself is not a discovery. Actually, we use the mind to question, but the discovery, the answer, does not lie in the mind. Donc en fait, nous utilisons le mental pour poser la question, mais la découverte de ce que nous sommes n'a rien à voir avec le mental. So it remains a mystery. It remains a secret that is actually so obvious. It's actually not a secret, but because we're using our mind, it is a secret. Because the mind is searching, but it's not going to find the answer. Donc en fait, c'est un secret qui n'en est pas un. Parce que c'est tellement évident qu'on n'arrive pas à le voir. C'est tellement plus près que tout. Et le problème, c'est que le mental cherche une réponse avec le mental. Mais il ne va jamais le trouver avec le mental. Et cependant, il y a une réponse, mais qui n'est pas du mental. So, yes, who you are, not to be found in the mind, the body arises and comes and goes in that, all manifestation coming and going in that, all manifestation merely a projection of mind. But who are you? Who are you? This is the question. It doesn't have an answer, and yet the answer is alive in you. Donc en fait, qui suis-je
est la question qui n'a pas de réponse, et pourtant qui vous êtes et vivant en vous. Je suis allée tout de suite à l'essentiel. Merci beaucoup, Lisa. Thank you. Au niveau de cette réponse qui n'est pas mentale, justement, l'écoute de ce silence, de cette réponse vivante, est quelque part une évidence. So, at this level of a response that is not a response, he's talking about how, what is this, just listening in the silence? Et donc cette réponse de la vie, cette réponse vivante, quelle est la différence entre la personne qui est éveillée à sa vraie nature et qui connaît donc son ce, qui sait ce qu'elle est, et la personne qui va simplement entendre cette réponse vivante et silencieuse? Est-ce qu'il y a une différence déjà entre ces deux manières de vivre? Yes, he wants to know what's the difference between two manners of living. One is the person who lives this living response to the question, who I am, constantly, and the other, the person who hears the teaching and yet is still has a strong ego sense. What is the difference for you between, actually, I think what Philippe is saying is a totally realized, awakened being and someone who's on the path? So, in the first, and in all of us are lived by what we are seeking. And the first person you speak of has recognized that we are lived by that, we are that which we've been seeking. So the first category of totally awakened being is someone who has really recognized that we are lived, we are being lived. Ah, pardon, Philippe, excuse-moi. Je suis en anglais. Avec un être totalement éveillé, c'est quelqu'un qui a totalement réalisé le fait que nous sommes en train d'être vécus par ce qui vit à travers nous. Que nous sommes cela, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est plus identifié avec un soi séparé autre que ce grand mystère qui nous vit. There is no one who awakens, actually. Il n'y a personne qui s'éveille, en fait. And the recognition of that is what we call awakening. Et reconnaître cela profondément est ce que nous appelons éveil. And the seeker is someone who has been blessed by grace to discover a deeper truth, the living truth. Et le chercheur est quelqu'un qui est béni par la grâce pour découvrir une vérité plus profonde, la vérité vivante. And the possibility is to stop the search now, in this moment, to recognize what is always here, what doesn't come and go. Et la possibilité est d'arrêter cette recherche maintenant, dans ce moment. La possibilité de reconnaître qu'est-ce qui a toujours été ici et qu'est-ce qui est ici en ce moment présent. Tout de suite. Philippe, are you there? Yes. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, j'écoutais la réponse interne à ce développement. He was listening quietly to the response within himself.
Et je remercie beaucoup Lisa pour cette réponse qui est finalement évidente pour moi. Good. Thanks you deeply because it was Yes, evident. we. Thank you. Mais c'est vrai que certaines traditions peuvent être déroutantes car elles parlent de niveaux, de buts à atteindre, de tant de choses à laisser aller, à se dépouiller que parfois on est arrivé, on ne le sait pas, ou on cherche quelque chose de un déchirement dans le ciel. He says the problem he finds is many traditions are talking about levels and things you have to let go of and things you have to do and things you have to acquire. And so you may not even know if you've, quote, arrived and you're waiting for something like the sky to open. Yes. It's very common, very, very common for people to compare experiences and to seek an experience that either they've had before or they see someone else has had. That's the ego. C'est très experiences commun, en come fait. And go. C'est très, très commun de chercher une expérience d'éveil ou et de comparer ce que l'on ressent, ce qu'on a expérimenté avec ce qu'on a lu, avec l'expérience de quelqu'un d'autre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les expériences vont et viennent. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qui ne va ni ne vient. Ni ne vient. Et donc même les extases, les samadhis sont quelque part des pièges. And therefore, ecstasy and samadhi can be a trap that you try to regain, oui. To get back oui. To. Yeah, oui. Absolument, ça peut être des pièges, puisque c'est toujours maintenant. It's always now. Je vais regarder s'il y a d'autres questions, parce que j'avais comblé un petit peu, parce qu'il n'y avait plus de questions à cause des problèmes techniques. Je vais voir si c'est revenu. He's looking in the feed. Il y a Jérôme qui voudrait savoir quelle est la particularité dans la vie d'un chercheur. Une fois qu'il a découvert cette vérité, est-ce qu'il doit partager ceci ou simplement le garder pour soi? Il se pose la question en fait de savoir la nécessité du partage une fois qu'on a découvert ce qu'il en est. So, Jerome is asking, once one has discovered one's true nature, what is it necessary to share or to teach, or should just one keep it to oneself? What is he's asking about the necessity of sharing one's awakening? Yes, yes, this is a common question, and it's really based in a projection that there will still be someone here to share, or to teach, or to do something with the awakening. And truly, there is, in discovering who one is, your life transmits that. Your life, without any effort whatsoever. Donc, en fait, c'est une question très commune parce que c'est basé dans l'idée qu'il y aura quelqu'un qui reste pour faire quelque chose avec cet éveil. Or, quand l'éveil est, c'est votre vie entière qui transmet cela sans aucun effort. No effort necessary. Nothing needed to do with it. It isn't even a teaching. It's simply the truth of who you are. Donc en fait, quand c'est simplement la vérité de qui tu es, il n'y a pas d'effort, il n'y a même pas d'enseignement et pas de nécessité d'enseigner quoi que ce soit. Simplement la vérité de qui tu es. Merci pour Jérôme. Il y a Laurent qui pose la question de savoir dans son couple
Il est le seul à s'intéresser à toutes ces choses et voilà, il demande conseil de savoir s'il est important d'avoir un partenaire qui nous comprend dans cette recherche ou pas. So Laurent is asking, in his couple, he's the only one of the two who is interested in satsang and spirituality. And he's wondering if it's important to have a partner who shares these interests. And if you don't, what do you do? Well, really, it's important for you to wake up. Whoever, whatever partner has the desire to wake up, you wake up and then see what happens in your partnership. And I understand if your partner doesn't want you to be seeking or to awaken, then there may have to be some changes. If you give your life to awakening, it may not work. But if your partner is just there, perhaps there's a possibility that if you wake up, you'll see something shift in your own relationship. Donc en fait, l'important, c'est toi. C'est important que toi, tu t'éveilles. Et donc, c'est ça l'important, c'est pas l'autre. Cependant, si l'autre est vraiment opposé à cette recherche, là, peut-être qu'il y aurait besoin de changer des choses. Mais si la personne n'est simplement pas intéressée, mais qui te laisse continuer cette recherche, bah, éveille-toi. D'abord, et vois si quelque chose change dans cette relation. Love will take care of you. L'amour s'occupera de toi. Lisa, il y a Sébastien qui pose la question si elle est familière de la pensée de Sri Aurobindo, et il développe un petit peu ensuite. Si c'est pas la peine que je développe si Lisa n'est pas familière. So, Sébastien would like to know if you're familiar with the thought of Sri Aurobindo and what you think of it. I've heard of Aurobindo, but I've never read any teachings from him or that teacher. I'm so exclusively with my teacher Gangaji. So, even though she, même si elle a entendu, bien entendu, parler de Sri Aurobindo, elle est tellement exclusivement dédiée à l'enseignement de Gangaji et cette lignée de Papaji et Ramana Maharshi qu'elle ne s'est jamais intéressée à d'autres Well, enseignants. It's not that I'm not interested. It's just that I'm fulfilled. I don't need to another teacher. And I hear that Aurobindo is beautiful, so I have nothing against any other teachers. It's just not my Ce n'est passion. pas qu'elle n'est pas intéressée, mais c'est juste qu'elle est tellement profondément épanouie dans cette lignée qu'elle n'a pas des velléités de chercher ailleurs. Par contre, elle n'a rien contre personne et elle a entendu que Sri Aurobindo était un excellent enseignant. Merci. Du coup, comme c'était la dernière question, ça me porte à poser la question à Lisa de parler peut-être un petit peu plus de son, de sa relation avec Gangaji et de nous parler un petit peu plus de Gangaji pour terminer ce web satsang. So since that was actually the last web question, it brings him to the question that he wanted to answer, which was, could you talk more about your relationship to Gangaji and what Gangaji has taught you? Gangaji is I don't know how to speak it in this moment. Gangaji showed me the truth of myself in the simplest way by
offering me an invitation into my natural being, just as I am. C'est pratiquement indicible en ce moment. Gangaji m'a offert une invitation à mon être naturel tel que je suis. And in that invitation, that gave me the freedom to, for my heart to just love, that I could just fall in love and never get up from that fall and discover the endless depths of love and recognize that that actually is who I am, who one is. Donc dans cette invitation, ça m'a donné la liberté de tomber totalement amoureuse et de ne jamais me relever de cette chute, de reconnaître que l'amour, c'est véritablement qui je suis. I remember, really, it felt like a marriage, like I gave my whole life to this love that was the flame of this love that was lit by my beloved Gangaji. En fait, j'ai donné toute ma vie à la flamme de cet amour qui a été allumé par mon bien-aimé Gangaji. I offered myself to be in service, not only to bringing other people to satsang with her, but also if I could do anything for her. Those years ago, many years ago, I said, I'm at your feet. Donc, il y a tant d'années, je me suis totalement offerte, non pas seulement à amener d'autres personnes à voir Gangaji, mais aussi si je pouvais faire quoi que ce soit pour elle, je lui ai dit et j'ai été à ses pieds. So for 15 years, I served her personally and still sometimes am available to serve her in a personal way. And so I spent many hours, many days near her in service to just to help her in any way personally and her husband Eli. And so I could really see them in their personal life and this endless love for them. Donc en fait, j'ai passé plus de 15 ans dans un service personnel pour Gangaji et aussi pour son mari Eli. Et donc j'ai pu vraiment voir tel qu'il vivait et être consumée moi-même par cet amour pour eux. And it's still alive, this love. It's not only contained for this person we call Gangaji, but it's for the Gangaji that I meet in everything and all. It's for this essence that is my impeccable master. Donc en fait, ce n'est pas un amour qui est réduit dans la personne de Gangaji, mais c'est cette essence de mon maître impeccable que je rencontre dans tout ce qui m'entoure et dans toutes les personnes que je rencontre. And devotion is such a rare thing. It's almost more taboo than hatred. It's easier in this world today to be hateful and it seems easier. It's more acceptable, it seems, to be projecting and angry and hateful than it is to drown in devotion. And so that's what my life represents. Donc en fait, la dévotion est une chose si rare que c'est tabou aujourd'hui. C'est bien plus rare d'être consumé par la dévotion et bien moins acceptable, semble-t-il, que d'être dans la haine, dans le discorde, dans les discussions, mais véritablement être noyé et consumé par la dévotion, c'est cela ma vie, c'est le sens de ma vie. And this is why she asked me to meet you, to come and meet you.
And it is a great gift of my life to come and meet you and to confirm that love is alive and well in this world. And your life contributes to that in the surrender to love, to the truth of yourself. Et c'est à cause de cette dévotion que Gangaji m'a demandé de venir vous rencontrer, m'a demandé de tenir satsang, pour confirmer le fait que l'amour est vivant et bien portant dans ce monde, et que vous êtes cela. Eh bien, merci, merci, merci beaucoup, Lisa. Voilà, il est temps d'arrêter le satsang maintenant. Et donc, merci pour cette patience. Désolé pour tous les problèmes techniques ce soir. Et sur Paris, il n'y aura pas ce problème technique puisque la connexion Internet est très bonne. Je te laisse traduire peut-être. Good. Yes. Okay. So he's saying thank you so much for sharing satsang with us this evening and pardon him for these technical problems which will absolutely not affect your visit to Paris because there's a wonderful connection there and he doesn't know why this happened this evening but all his excuses for any problem that may have caused for you, Lisa. Et malgré tout, j'ai pu faire un enregistrement du web satsang. And despite it all, he was able to record this web satsang. Et je pourrais donc avec son autorisation le rediffuser pour tous ceux qui n'ont pas pu l'écouter à cause de ces problèmes techniques. And with your authorization, he'd like to rediffuse this web satsang for all the people who were unable to be here and who might have had problems because of the technical problems. Sure, of course. This yes, is for, bien entendu. It's really not about me. Finally, it's here. It's for the people who want satsang, who are seeking, who have the opportunity to end the search and be free to light other fires of this discovery of oneself. So, of course, bien entendu, elle autorise parce que tout cela n'a rien à voir avec elle, en fait. C'est pour les gens qui puissent enfin être libres et allumer d'autres feux qui viennent à être allumés à leur tour par le feu de leur découverte de l'amour qu'ils sont. Eh bien, merci beaucoup à nouveau. Et peut-être, Mélanie, si tu veux rappeler les dates. Yes, so we're just reminding everyone that Lisa va être à Paris au 104, donc 104 rue de Vaugirard avec l'association Être Présence. Le site c'est êtreprésence.org et ça sera le vendredi, voilà, pour réserver. Mais même si vous ne réservez pas, vous pouvez venir directement au 104 le vendredi 15 septembre, ça sera à 20h, donc à 104 rue de Vaugirard. Et puis ensuite, nous aurons le séminaire qui sera le samedi 16 et le dimanche 17 avec Lisa à Paris. Et moi, je traduirai et Philippe sera là. Pour... Merci. Et donc, c'est 20h que cela commence, donc c'est bien d'arriver, voilà, peut-être un quart d'heure, 20 minutes avant. Et... Voilà. Et également, c'est 10h30 le samedi et le dimanche. Donc, c'est bien d'arriver à peu près vers 10h, entre 10h, 10h15, pour commencer vraiment à 10h30. Yeah, he's telling everyone to get there early so he can start on time. Perfect. Voilà, je vous remercie toutes les deux pour votre patience et votre compréhension. I look forward to meeting you. Me too. Yes. Thank you. Thank you. Thank you very much.